Jésus-Christ. Jesus Christ. Avant de commencer, nous allons d'abord saluer nos frères qui sont venus et prier avec nous. Qui sont venus combattre avec nous. We are going to greet our brothers who has come to fight with us. Frère Albert. Brother Albert. Viens nous rejoindre ici et please come and join us here. Si tu es d'une autre nation, tu viens. If you are from the delegation, please come. Même si tu es bébé. Même si quoi? Même si c'est un bébé. Even if you are a baby. Heureux de vous accueillir. Notre missionnaire en France, le frère Albert Congo. Il va saluer l'église ici rassemblée. He will greet the assembly church here. Gloire à Dieu. Amen. Effectivement, je suis le frère Albert Congo et quand j'ai reçu la feuille de route du frère Zach pour aller commencer l'œuvre en France, je me disais, mais frère, par où je vais commencer? Il m'a dit, va. Il m'a donné la feuille de route. Et aujourd'hui, le ministère est représenté en France. Amen. Et oui, je suis marié, je suis père de 5 enfants et tous mes enfants sont dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que c'est la première fois pour moi d'arriver en Côte d'Ivoire, mais je me sens chez moi. Vraiment, toujours. Je suis le frère Crépin Mohan. Mon faiseur disciple, c'est le pasteur Congo qui est là. C'est un privilège pour moi de l'accompagner dans ce déplacement ici en Côte d'Ivoire. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est lui qui m'a bâti et qui m'a conduit, il m'a montré le chemin à suivre et qui m'a conduit jusqu'au mariage. Et aujourd'hui, je suis en train de suivre le même chemin qu'il est en train de faire. Vraiment, je bénis le Seigneur pour l'accueil depuis l'aéroport. Je suis ici, mais je sens comme si je suis à la maison tous les jours, les frères viennent me visiter. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Cette année, on a dit que la France ne va pas manquer ici. On va venir pour renverser les principautés avec vous. Amen. Je suis la sœur Rosine Tchokonté. Je viens de la France. J'accompagne le pasteur Albert Congo, qui est mon papa. Je ne sais même pas, je sais pas quoi dire. Il est... Jésus-Christ. Amen. Et je bénis Dieu parce qu'il a pourvu des modèles en tant que des hommes qui marchent avec Dieu. Dans la personne du frère Albert, pour ma part, et maintenant, je vois d'autres exemples, comme le frère Boniface aussi. Donc, je suis contente d'être avec vous et c'est un plaisir et une réelle joie. Les frères nous ont accompagnés depuis les lettres d'invitation jusqu'à cette heure. Béni soit le Seigneur pour vous. Merci beaucoup, la Côte d'Ivoire. Amen. Jésus. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Adassa de Paris. Je suis disciple de la sœur Anastasia de la maison, qui est à la maison de prière pour toutes les nations de Poitiers. Amen. Je bénis le Seigneur qui a permis qu'on soit là pour le renversement des principautés. En plus, quand j'avais eu à cœur de venir, je me suis dit, bon, il faut que j'en parle à Frère Abel. Dès que je suis allé lui dire, Frère Abel, je m'en vais, il m'a dit, quoi? Tu me réserves le même jour que moi. Acclamons pour Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour la vie du frère Albert. Parce que moi, je suis passée à la CMCI en 2016. Je suis allée dans une autre dénomination. Mais il m'a toujours témoigné l'amour d'un papa, d'un grand frère, de tout. Et c'est son amour qui m'a ramenée à la CMCI. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Bon, je savais que par vos pasteurs, on voit leur amour quand ils viennent à Paris. Mais là, merci beaucoup pour l'amour que vous nous témoignez. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, je suis Mélanie Satou, je suis disciple de la sœur Adassa. Donc, merci beaucoup de votre accueil parce qu'on se sent en famille. Acclamons pour Jésus-Christ. C'est un privilège d'être ici pour donc, le renversement des principautés. Et vraiment, le combat est là et nous sommes là aussi pour venir vous soutenir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Denise Boum de Paris. J'ai rencontré la CMCI en 2016. Et je bénis le Seigneur de me donner cet honneur aujourd'hui de pouvoir témoigner vraiment. Qu'est-ce que c'est la CMCI? La CMCI m'a permis de me réconcilier avec les hommes de Dieu. La CMCI m'a permis de me réconcilier avec les frères et sœurs suite à un passé assez douloureux. Et je bénis vraiment le Seigneur de m'avoir mis la CMCI sur mon chemin. Et surtout, je bénis le Seigneur de m'avoir mis Papa Albert sur mon chemin parce que de par son témoignage, comme dit la parole de Dieu, le témoignage d'une personne peut amener une autre personne à une conversion. Et vraiment, le témoignage de la vie du pasteur Albert est réel. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Albert. Amen. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Elisabeth. C'est la maman de Denise qui vient de passer. Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas à Paris, je suis à Clermont-Ferrand, en France. Mais j'ai connu la CMCI par elle. Il y a eu un de mes neveux qui sont dans la CMCI à Paris.
Et ils m'ont présenté le papa Albert Congo, qui est mon papa aujourd'hui, qui me suit. Malgré la distance, mais il est près de moi tous les jours. Et Dieu a permis que son fils, un de ses fils, comme il vous a dit que tous ses enfants sont dans le Seigneur, c'est un de ses fils qui me donne les enseignements par téléphone à 500 km de Paris. Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur, c'est parce que grâce à la CMCI, je connais déjà ce que c'est que la parole de Dieu. J'allais à l'église, je croyais en Dieu, mais je ne connaissais pas la parole. Je bénis le Seigneur pour cela. Je dis merci pour l'accueil qui nous a été réservé. Vraiment, il n'y a pas de mots. Parce que nous nous sentons en famille. Rien que votre sourire, on trouve le sourire partout. Tout le monde. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que ma fille a tenu que je vienne avec elle pour le brisement des principautés familiales et personnel. Et j'avoue que le Seigneur est au contrôle. Nous sommes arrivés hier soir, mais le Seigneur a commencé son travail. J'ai un frère tout à l'heure qui a dit qu'il faut délivrer les pantalons des femmes dans l'église. Donc c'est déjà le début du travail de renversement des fonctions. Jésus. Acclamons pour Jésus-Christ. Rassurance que je partirai d'ici avec toutes les principautés de la famille renversées au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Dites amen. Attrape le micro. Il accepte les hommes pour le moment. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Shem Nadine Bongo. Vraiment, je suis très heureuse. Ça fait 2 semaines que je connais la CMCI. Et je bénis le Seigneur. Tout à l'heure, je discutais avec un merveilleux pasteur. Vraiment, je suis heureuse d'être au milieu de vous. C'est une famille vraiment accueillante. Je me sens, c'est la première fois que j'arrive en Côte d'Ivoire, mais je ne me sens pas étrangère. Jésus. Dieu nous a logés dans une merveilleuse famille. Dieu a mis autour de nous des hommes de Dieu vraiment formidables. Et vraiment, c'est une église, c'est vrai, tout ce qu'ils disent est vrai. Tout le monde est... Sois béni. Il y a 2 mots, je vais partir avec. Sois béni et gloire à Dieu. C'est-à-dire que... C'est... Alléluia. Et la dernière fois, je vous avais dit, il y a une suite. La suite de demain, c'est que je passe par les eaux du baptême. Jésus-Christ. Donc, il y a encore une suite après les eaux du baptême. Le Seigneur lui-même, il est au contrôle. Alléluia! Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Karine. Je viens du Cameroun. Bon, il faut dire, frère, que j'ai eu des difficultés, beaucoup de difficultés. J'ai traversé des moments dans ma vie où je ne pouvais plus m'asseoir. Gloire à Dieu. Il faut dire que vous avez un trésor immense à Abidjan. Amen. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce trésor, c'est Jésus, mais Jésus au travers de ce monsieur, de ce couple. Gloire à Dieu. Ce n'est pas l'idolâtrie. Amen. Mais le Seigneur demande qu'on rende à César ce qui est à César. Donc vraiment, Ivoirien, attrapez le trésor que Dieu vous a donné avec 2 mains. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. À
attraper avec deux mains. Vraiment, vous êtes riche. Bon, le Seigneur m'a permis de venir, comme je disais, je vais peut-être à plus tard rendre le témoignage. Donc, je suis arrivée, le Seigneur vraiment m'a ouvert les portes parce qu'on ne voulait pas que je voyage, que le frère devait voyager pour venir faire ce qu'il y a lieu de faire là-bas, s'il faut briser les liens. Bon, j'ai essayé d'expliquer, c'est le renversement des principautés de la famille parce que je traverse beaucoup d'étapes et même ma famille. Mais chaque fois, j'ai lu le livre que je voulais entrer dans ce programme toute seule. Je tombais toujours malade, gravement malade. Et je n'avais pas la force vraiment de faire tout cela seul. J'ai voulu voyager pour venir à Abidjan. Je suis allée une fois en chambre de prière où j'ai vu le numéro des dirigeants. Le Seigneur m'a conduit à prendre le numéro de Maman Colette. Bon, c'est elle qui m'a guidée. Le Seigneur est passé par elle. Bref, il y a eu beaucoup d'obstacles, mais le Seigneur a été victorieux. Gloire à Dieu. Donc, je suis arrivée, comme les frères l'ont dit, c'est... Il n'y a pas... La sœur Ruth, avant de partir pour la France, a dit c'est la marque d'Abidjan. Il n'y a pas... Bref, nous sommes dans un ministère, mais Abidjan a sa marque. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. C'est les sois béni à gauche, sois béni à droite. Tu as l'impression, tu ne dis pas sois béni, c'est toi qui as un problème. Donc, sois béni, sois béni. Acclamons pour Jésus-Christ. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tous ses dons, le don des frères. Vraiment, depuis le Cameroun, avec son merveilleux fils, le pasteur Charles Biali, vraiment, pour tout ce qu'il fait pour la délégation, pour tous, pour tout, vraiment, frère, merci. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, l'accueil, vraiment, je suis la sœur qui me loge chez elle. Vraiment, la sœur écoute, vraiment, c'est immense. On ne peut pas tout dire, frère. Donc, vraiment, je suis là, je suis connue. Je sais que le Seigneur, papa a dit qu'un démon ne peut pas t'amener ici. C'est Dieu lui-même qui amène. Et comme Dieu m'a amené, lui-même, il va faire ce qu'il y a lieu de faire. Gloire à Dieu. Voilà. Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et je vous présente d'abord ma merveilleuse femme. Elle s'appelle Philomène Diarra. Jésus-Christ. Moi, je suis le frère Samba Lamine Diarra et CMCI Bamako. Jésus-Christ. Je tiens à remercier premièrement le couple Meunier, papa et maman Colette, et après les anciens, et vous tous présents ici ce soir. Et j'avoue que depuis mon arrivée, je n'ai pas témoigné, mais je vous réserve une grande surprise. Jésus-Christ. Vous avez le bonsoir de toute l'Assemblée CMCI de Bamako. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Si tu es dans cette église, prends ta foi au sérieux. Considère ton dirigeant comme tu ne l'as jamais fait. Je sais pourquoi je le dis. Moi, je vis en Belgique, je suis malienne. Et je vous assure que l'onction que papa transporte jusqu'en Belgique, ce n'est pas la même chose que quand tu viens en Côte d'Ivoire. Jésus-Christ. J'ai connu le pasteur Meunier, qui est un père pour moi en Allemagne. J'ai vu l'homme, je me suis attachée. J'ai dit que je ne peux pas laisser. Je disais ça à moi, je ne peux pas laisser. Je vais sonner. Je sais qu'il est occupé. J'ai dit, moi, je ne peux pas laisser. Donc, je suis venue en Côte d'Ivoire ici en tant que fille du pasteur Meunier et de maman Colette. Jésus-Christ. Et cette histoire de sois béni là, c'est là où le bas blesse. Quelqu'un ne peut pas rater la bénédiction ici. Depuis le matin, le frère te voit, sois béni. La sœur te voit, sois béni. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je me suis dit à moi-même que la bénédiction là, je ne peux pas rater. 20 frères vont te
dire, sois béni. Que tu as quoi si tu ne seras pas béni? Amen. Une dernière chose que je voulais dire. Un démon en criant dans le songe m'a dit, quand j'ai appris que tu as eu un enfant, j'ai fait sortir tout le reste des démons parce que j'étais en colère. Mais ton histoire de renversement des principautés là, à cause de ça, j'ai encore réuni tous les autres démons. C'est ça là qui me fait mal. Il commence à pleurer. J'ai dit que si tu as mal, c'est que tu n'as pas eu vraiment mal. Là où on arrive là. Jésus-Christ. 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 Dans le rêve, j'ai dit à l'esprit que tu n'as pas eu mal. Le renversement là, Jésus apparaît comme ça. Il coupe les pieds des démons. Il coupe leur tête. Il les fait sortir. Et il a commencé à pleurer. Je vais dire merci au Seigneur pour chaque frère. En passant, je vais remercier la famille Akwendo de leur hospitalité. Et je vais remercier le pasteur Béaï, l'ancien Esaïe, qui m'ont soutenu depuis la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Acclamons, acclamons. Clap for Jesus. Acclamons. Soyez les bienvenus. Nous sommes en famille, nous sommes en famille, nous sommes en famille. Bienvenue en famille, nous sommes en famille, nous sommes en famille. Nous sommes en famille, bienvenue en famille. Bien-aimés. Beloved brothers. Les familles. Families. Sont sous la malédiction divine. Are under the divine curse. Le Seigneur m'avait inspiré un message. The Lord inspired me a message. Le titre était l'adversité de Dieu. The title was the adversity of God. En grandissant dans la foi. By growing in faith, et en prêchant beaucoup sur les délivrances, by preaching a lot on deliverances, sur les attaques du diable, all the attacks of the devil, le Seigneur a commencé à m'expliquer, the Lord has started to explain me, que s'il est ton adversaire, that if he is your adversary, tu ne peux pas t'en sortir, you cannot get it. Donc la première exhortation était intitulée l'adversité de Dieu. So the first advice was titled the adversity of God. Parce que quand Dieu veut t'enseigner quelque chose, il procède par étapes. Because when God wants to teach you something, he goes step by step. Et je comprenais d'une manière divine des passages comme si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? And I could get divinely except like if God is with us, who can be against us? Et je comprenais que si Dieu est contre toi, and I understood that if God is against qui you, peut te délivrer? Who can deliver you? Est-ce que nous sommes ensemble? Are you with me? Si Dieu, if God, te barre la route, block your way, personne ne peut te délivrer. No one can deliver you. Personne. No one. Donc quand les hommes ont décidé, so when men have decided, de vivre dans le péché, to live into sin, et d'adorer les faux dieux, and to worship the false gods, Dieu les a livrés. God has just sent them
has just given them à la puissance des ténèbres. To the power of darkness. Ils peuvent développer des systèmes. They can develop any kind of systems. Systèmes économiques. Ils peuvent economic systems. Ils peuvent développer des systèmes culturels. Cultural systems. Mais ils sont sous la malédiction. But they are under curse. Et le Seigneur a commencé à me montrer que si tu veux la vraie délivrance, and the Lord has started showing me that if you want the true deliverance, réconcilie-toi avec Dieu. Get reconciled with God. Si Dieu est avec toi, if God is with you, réjouis-toi. Rejoice. Même si tu as d'ennemis, even if you have an enemy, ne crains rien. Don't fear or fear not. Et après avoir rendu beaucoup de ministères de délivrance, and after having rendered lot of ministries of deliverances, j'avais réalisé que certains démons étaient partis et n'étaient plus jamais revenus. I had realized that some demons went, left, and never came back. Et j'avais remarqué qu'il y a des problèmes qui persistaient même quand certaines personnes vivaient dans une sainteté raisonnable. And I had remarked that there are some problems who were still on, even if people were living in a good holiness. Et le Seigneur m'a révélé, and the Lord revealed me, qu'il y a des malédictions individuelles, personnelles. That there are individual and personal curses. Quand un individu commet un péché, when someone commits sins, Dieu punit ce péché. God punishes that sin. Donc la personne est maudite au niveau individuel. So the person is individually cursed. Si cette personne se repent sincèrement, if this person repents sincerely, en abandonnant ses péchés, by forsaking his sins, Dieu enlève la malédiction individuelle qui pèse sur elle. God removes the individual curse which is on him. Et beaucoup de personnes ont cette connaissance-là. And a lot of people are aware of that. C'est pour cette raison que dans certains milieux chrétiens, on enseigne qu'il n'y a pas de démons, que tous les enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus sont sanctifiés, purifiés, il n'y a rien. This is why in some Christian areas, people are taught that there is no demon. If children of God are purified, there is nothing to fear about. Ça, c'est une grande ignorance. This is a great ignorance. Parce que la délivrance est proportionnelle à plusieurs choses. Un, proportionnelle à la foi de la personne qui délivre. Because deliverance is related to many things. First, related to the faith of the person who is delivering. Si quelqu'un prie pour toi, if someone is praying for you, avec les doutes, with doubt, tu ne seras pas béni. You will not be blessed. Il ne croit pas, mais he does not believe. Il prie. And he is praying. Elle est proportionnelle à la foi de la personne pour qui on prie. It is according to the faith of the person for whom it is being prayed. Tu dois croire, you must believe, que ce qu'on proclame à ton sujet va s'accomplir. That what is being proclaimed about you will come to life. Elle est proportionnelle à la révélation divine. It is according to the divine revelation. Tu peux savoir que Jésus guérit. You can know that Jesus heals. Mais tu n'as pas la révélation de la guérison divine. But you don't have a revelation of a divine healing. Tu as la tête. You have a head. Mais tu n'as pas l'esprit. You don't have a spirit. Tu as le livre. You have a book. La lettre. The letter. Mais tu n'as pas l'esprit. But you don't have a spirit. Elle est proportionnelle à l'obéissance. It is according to the obedience. De la personne qui délivre, of a person who is delivering, et de la personne qu'on délivre, and
according to the obedience of the one who is being delivered. Donc, so, donner l'impression que tous les individus ont rempli ces conditions-là au même moment, so c'est une grande illusion. Giving the impression that everyone has gone into all those requirements is a great deception. La délivrance est proportionnelle à la croissance en maturité. Deliverance is related, is according to the growth in maturity. Si nous développons ce que Dieu nous a déjà donné, if we develop what God has already given us, il va nous amener à un autre niveau. He will send us at another level. Si tu ne maîtrises pas le niveau révélé, if you don't master the revealed level, il attend que tu développes, que tu deviennes mûr. Il ne peut pas t'amener sur un autre terrain. He waits that you develop it and master it. He cannot send you on another area. Il a dit aux enfants d'Israël, je vais vous délivrer progressivement. He told the children of Israel, I will deliver you progressively. Parce que si je vous délivre maintenant, because if I deliver you si now, je détruis tous vos ennemis maintenant, if I cast out all your enemies animaux now, féroces vont the fierce vous animals will attack you. Ça veut dire que la maturation est un facteur de délivrance. It means that matureness is a factor of deliverance. Il faut grandir. You must grow. Quand Dieu voit que tu as grandi, il te met devant un autre adversaire plus when grand God encore. Sees that you have grown, he put you before a greater adversary. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you with me? Et dans la délivrance, and in deliverance, 1, 2, 3, 4, tenez-vous devant moi, en rang. Four people, please come here. Dans la délivrance, in deliverance, non, toi tu dois être le dernier, tu es géante. Toi tu es plus petit, donc on commence par toi. Éloignez-vous. Dans le combat spirituel, so in the spiritual warfare, tu es en train de marcher. You are walking. Ne vous serrez pas, ils ont peur du combat spirituel. Tiens-toi là. Toi tu te tiens, l'autre est loin, toi va loin. Donc, si le Seigneur me dit, if the Lord told me, va me servir avec les semeurs. Go and serve me with the sowers. Vous voyez là où les semeurs sont assis. You see where they are. Voilà mon premier ennemi. Il me dit, tu ne passes pas. This is my first enemy. He tells me si he won't pass. Si il n'est pas renversé, if he's not overthrown, je passe ma vie chrétienne ici. I will spend my Christian life here. Mais avec la connaissance de mon rôle dans les semeurs. But with the knowledge of my position into the sowers. Quand je serai semeur, I will become a sower. Dieu m'a donné une belle voix. God has given me a big, a nice faith. Quand les semeurs chantent, il y a tellement d'erreurs. Quand je vais arriver là, mais voici ton ennemi. When the sowers sing, there are so much error. When I will go there, but this is your enemy. Si tu dis au nom de Jésus, if you say in the name of Jesus, libère la voix devant moi. You free the word, the word before me. Celui-ci est là. This mais one dans is le combat spirituel, but in the spiritual warfare, celui-ci ne peut plus revenir devant. This one cannot come back forth. Quand tu es battu, when you are overcome, tu es battu. You are overcome. Et le rang de ton rang augmente. And your level increase. Et te met en contact avec un autre esprit qui a un rang correspondant. And put you into contact with another spirit who has the same level. Si tu dis tu auras le même traitement que l'autre, bam. You say you will have the same treatment as the other one. Il faut aussi faire la même chose à celui-ci. You must do the same to this one. Si tu ne réussis pas, if you does not succeed, tu vas rester. Que personne ne vous trompe. Que let quand no on one croit, deceive si quelqu'un you, est en Christ, il est une nouvelle créature. Let les no choses se sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Creature, il n'y a pas de démon. Is new, mais nothing. Il y a quelqu'un qui s'assure que tu ne bougeras pas. But there is someone who ensures that you won't move.
Mais si tu pries, but if you pray, tu coopères avec le Saint-Esprit, you cooperate with the Holy tu l'élimines, Spirit, you just put it here. Il reste un seul. This is only one remaining. Et celui-ci, and this one, alléluia, amen, celui-ci, this one, lui il est même déjà traumatisé. He has come to traumatize dès que tu dis au nom de Jésus, he said in the name of Jesus, et te voilà chez les semeurs, and you are there, delivered, et tu introduit à ce niveau de lumière pour comprendre, oh Seigneur, oh, pour comprendre que le combat spirituel est une réalité, est une réalité, est une réalité. Oh notre Père, nous prions Seigneur que le voile se déchire. Oh nous prions Seigneur, oh, que tu nous fasses accéder à ce niveau, oh, de lumière sur cette nuit. Oh introduis toute l'église, introduis toute l'église, introduis toute l'église à ce niveau de révélation, Seigneur. Introduis, oh Dieu, ceux qui nous écoutent en ligne à ce niveau de foi. Oh Père, introduis, oh Dieu, ceux qui crient, oh Père, oh très loin d'ici, à ce même niveau de révélation, oh Père. Et que à plus jamais, Seigneur, éliminer l'autorité, Seigneur. Nous te supplions, oh Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, pour la lumière, pour cette grande lumière que tu nous offres précieusement cette nuit pour nous propulser à un autre niveau de délivrance. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Rois, chapitre 11, à partir du verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. Etc., etc. Lire le verset 21. Lorsque Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Verset 23. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Éliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Soba. Etc. Qu'est-ce que nous voyons ici? What can quand we tu see as here? Battu l'ennemi, when you are overcome the enemy, il faut tout faire pour rester fidèle à Dieu. You must do everything to remain faithful to God. Parce que si tu ne demeures pas fidèle, because if you don't remain faithful, c'est lui-même qui va susciter des autres ennemis. He is the one who will raise up new enemies. Il peut ramener l'ennemi que tu avais battu. He can take back the enemies that you overcome. Ou alors il peut susciter un nouvel ennemi. Or you can raise a new enemy. Donc nous devons rester fidèles. So we must remain faithful.
Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un a été délivré, if someone has been delivered, et dans la joie et toutes les bénédictions que la délivrance apporte, and with il se livre dans le monde. And all the blessings that deliverance bring, and he just throw himself in the world. Son nouveau salaire, il achète la bière, il boit avec les prostituées. His new salary, he buy beer and drink. Il se glorifie, frappe la main sur sa poitrine. He glorifies himself, he beat his heart, his chest. C'est Dieu, ce n'est même pas l'affaire du diable, c'est Dieu lui-même. It is not even the business of the devil, it is God himself. Qui va dire à tes ennemis de venir t'attaquer? Who will tell your enemy to come and attack you? Il va enlever sa main. He will remove his hand. Même les ennemis verront dans le monde invisible que la main de Dieu n'est plus sur toi. Even the enemies will see in the invisible world that God's hands is no more on you. C'est pour cette raison que this is the reason why. Même s'il faut que tu te repentes 1000 fois, fais-le. If it takes that you repent 1000 times, do it. Même si les gens se moquent de toi, que toi tu passes ton temps à te repentir, frère. Even if people laugh at you, saying that you spent your time repenting, repent. La Bible dit que heureux ceux qui lavent leur robe pour avoir accès à la porte. The Bible says that happy are the one who cleans the robe to have access to the door. Ils lavent leur robe. They clean the robe. Ne lave pas pour toi. Il faut te moquer de ceux qui lavent. Tu verras ce qui va t'arriver. Don't clean yours and laugh at people who are cleaning them theirs. You will see what will happen to you. Ça n'a rien à voir avec ce que certaines personnes appellent confession. La confession n'est pas la repentance. This has nothing to see with what some people call confession. Confession is not repentance. Quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi encore, j'ai encore volé, pardonne-moi. If you say, Lord, forgive me again, I have stolen again. Un jeune homme m'a dit qu'il avait plusieurs prêtres. A young man told me that he has a lot of priests. Donc, il confesse aujourd'hui l'adultère ici. Here, he confesses adultery today. Bon, la prochaine fois, il confesse ailleurs. Next time, he confesses somewhere else. Quand il revient longtemps après, tu penses qu'il était sérieux alors qu'il a plusieurs when he come back later lieux de confession. You think he was plusieurs serious oreilles. While he had a lot of ears to hear his sins. Mais quand on se repent, but when you get repented, on arrête. You stop. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you with me? Il y a une puissance, there is a power, qui habite les justes, which dwells into the righteous ones, qui les empêche toujours de rester couchés, which always prevent them from staying late. Vous savez, il y a un verset qui dit que le juste tombe 7 fois, 7 fois il se relève. There is a verse which is the righteous one falls 7 times and 7 times he wake up. Il y a deux compréhensions possibles de ce verset-là. There are two possible understanding of this verse. La première compréhension, the first understanding, la plus simple, the simple word, simplest one, pas, pour ceux qui ne méditent pas, for people who does not meditate, c'est que le juste lui tombe seulement, il se lève 1000 fois, il tombe seulement. Is that donc, the righteous one just fall and stand up? Donc n'importe qui peut tomber dans la duie, il tombe. Ça, il dit que la Bible so dit que le juste tombe 7 fois. Can fall in adultery. The Bible says that you can fall and wake up. Mais ce verset parle plutôt de la puissance spirituelle. This verse is about the power, the spiritual power, qui habite ceux qui aiment Dieu, which dwells into people who love God. Ils ne sont pas capables de rester couchés dans un péché. They are not able to remain laid in the sins. Ce n'est pas possible. It is not possible. Si tu vois quelqu'un qui tombe dans un péché, il ne se relève pas, il n'a pas la puissance de Jésus. If you see someone who falls in a sin and does not stand up, he has not the power of Jesus. Quand le Seigneur enseignait à travers Jérémie sur la repentance, when the Lord was teaching through Jeremiah on repentance, Jérémie chapitre 8, Jeremiah chapter 8, verset 4, verse 4, il dit, un homme tombe-t-il sans se relever? Does a man fall without standing up? Avec la force même, la force naturelle que Dieu a donnée à l'homme,
Even with the natural strength that God has given men. Il est si quelqu'un tombe, il ne se lève pas, amenez-le à l'hôpital. If someone falls down and does not wake up or stand up, please send him to hospital. Un homme normal. A normal man. Tu tombes même sur la chaise, elle se casse mais tu te lèves. You fall on the chair, it's even broken, but you stand up. La loi naturelle. This is the natural law. Dieu rappelle la loi naturelle aux gens. God is recalling the natural law to people. Un homme normal. A normal person. Tombe. Falls. Et il se lève. He stand up. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tous ceux qui roulent dans la boue. All people who roll themselves n'ont jamais connu Dieu, jamais, jamais. In the dust has never known God, never. On dit qu'il y avait un sorcier qui allait confesser à un prêtre qu'il tue les gens dans la sorcellerie. It is said that a witch went and confessed to a priest that he kills people by witchcraft. Il dit, mon père, je joue avec quelqu'un dans la nuit, il est mort. He said, my father, I was playing with someone in the night and he died. C'est-à-dire, il confesse le péché en parabole. It means he's confessing sins in parables. Il a tué quelqu'un. Il dit, il joue avec quelqu'un, il est mort. He has killed someone and he said he was joking with someone. Il revient, il dit la même chose que dans les jeux de la nuit. Every time he come and repeat the same in the things of the night. Someone died in my hands. Il revenait toujours. Un jour, le prêtre était fatigué. One day, the priest was tired. Et le prêtre a dit, ne joue plus. Don't play anymore. C'est ne joue plus là qu'on appelle la repentance. It is this don't play anymore, which is called repentance. Alléluia. Amen. C'était trop, c'était trop. It was too much. Et ne joue plus, ne joue plus. Don't play anymore. Stop playing. C'est ça qu'on appelle la repentance. This is what is called repentance. Ce qu'il faisait avant là, c'est ça qu'on appelle la confession. What he was doing in the past is what is called confession. Quand l'oreille humaine ne peut plus supporter même tes confessions, à when the raison, human l'oreille de Dieu cannot bear anymore your confession, what for God? Alléluia. Amen. Donc j'étais en train de dire que quand tu retombes dans ces péchés, so I was saying that if you fall again in the sins, Dieu libère les gens que tu avais battus depuis. God ils reviennent. People you had overcome in the past, they just come back. Et ils reviennent pour détruire. And they come to destroy. Donc, la prière d'hier n'a pas touché le niveau normal. So the prayer of yesterday did not reach the normal level. La colère qu'on manifeste devant un démon, which is shown before a demon, est souvent violente. Is sometimes often mais violent. La colère devant les obstacles. But anger against obstacles. Les frères n'ont pas compris ce qu'on appelle un obstacle. Brother did not get what is called an obstacle. Quelqu'un qui te barre la route. Someone who is blocking your way. Que tu ne seras jamais ce que Dieu a voulu que tu sois. That you will never become what God has willed you quand to. Quand on ouvre cette page là, frappe. When this page is open, you must beat. De telle sorte que même si c'est un grain de sable qui soit écrasé. Even if it is a piece of sand, it should be crushed down. Même si c'est une fourmi, ne dis pas que c'est qu'une fourmi. If it is just an ant, don't say it's an ant. You just crush it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you with me? Quand David a commencé la guerre, il n'a when pas David dit que celui-ci war, est boiteux, celui-ci aveugle. He has not saying that this one is a creeper, or this one is a blind. Quelqu'un qui te barre la route. Someone who is blocking your way. Après, quand il est menacé, il dit, pardon, je ne vois pas bien, pardon. And later on, when he's threatened, he says, forgive me, I cannot see very well. Ne lui demande même pas qui t'a envoyé. Don't even ask him who sent you. Il est sur ton chemin. He is on your way. Il t'empêche de lire la Bible. He prevents you from reading the Bible. Il t'empêche de prier.
He prevents you from praying. Tout ce qui t'est utile dans all la maison de Dieu, il t'empêche de le faire. All that is useful in the goals of God, he prevents you from doing them. On demande qui donne à Dieu, tu n'es pas parmi. They ask who give to God, you qui, are not among. Qui rend témoignage, qui gagne les âmes, tu n'es pas parmi. Who rend the testimonies, you are not among. Who tu will es absent source. Partout, partout, partout. You are absent everywhere, everywhere, everywhere. Et le chemin est barré. The way is blocked. Tu blocked. Ne peux pas bouger. You cannot move. Alors que Jésus nous a bénis. While Jesus has blessed us. Il a dit, si tu dis à une montagne, si tu dis seulement, je t'enlève d'ici, je te jette dans la mer. I remove you here and I throw you in the sea. La montagne va quitter. The mountain will go. Et c'est cette arme-là, c'est avec cette arme qu'on ouvre le chemin. And it is this arm, this weapon, that we open the way. La lutte n'est pas charnelle. The fight is not carnal. La lutte est spirituelle. It is spiritual. Et la puissance, c'est la puissance de Jésus. And the power is the power of Jesus. Et l'arme, c'est la prière. And the weapon, the arm, is the prayer. Quelqu'un vient jeter un petit morceau de bois sur ton chemin. Someone come and throw a piece of wood on your way. Parle. Speak. Qu'il saute et tombe dans l'abîme. That it jumps and fall in the abyss. Et tu vas lire la Bible avec révélation. And si you ne vas pas read the Bible lire. With revelation. You won't only read. Parce que tu peux lire même toute la Bible. Un autre peut se rassurer que tu n'entends rien. Because you can read the whole Bible and another one ensure that tu you understand même nothing. Rien. You have no revelation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you with me? J'ai un témoignage que je ne peux pas rendre en public parce que j'avais prié que Dieu enlève ça de l'univers parce que c'était dangereux. I have a testimony that I cannot make publicly because I prayed that God remove that from the universe. Avant de commencer à enseigner avec révélation, before starting teaching with revelation, j'avais été visité pendant peut-être 2 ans par une intelligence maléfique. I had been visited during 2 years, but a devilish intelligence. C'est-à-dire, je suis comme ça. It means je I'm reçois like that. Les titres des livres à écrire dans and le I monde. Receive j'étais the titles de Dieu, hein. Of a book to be written. Sorry. Or, c'était une principauté. It was a principality. C'est-à-dire, je suis comme ça, j'ai le titre du livre. I mean, I am like that, and I have a title of a book. Avec tout le déroulement. With all the parts. Un jour, one day, j'ai développé un autre titre, les formes de la mort. I was working on another title, the forms of death. Quand Dieu m'a révélé. When the Lord refused que me. Si les méchants prennent ce que tu écris là. If a wicked man take what you are writing, ils vont utiliser ça pour justifier les théories de la réincarnation. They will use it to justify the theories of reincarnation. J'ai brûlé tout ce que j'avais écrit. I burned everything that I wrote. C'est après ça que quand je touche un verset, it is after that when I touch a verse, moi-même je sens que le verset entre en moi avec la vie. I feel myself that the verse enters in me with life. Quand je partage, je sens qu'il sort avec la vie. When I share it, I feel that it is going out with donc, life. Un ennemi savait que celui-ci va enseigner la parole. So an enemy was aware that this one is going to teach the world. Il me dit écris, écris. He just told me, puis, write, write. Et je savais que dans la littérature, ce type-là n'existe pas. And I knew that in the literature, this kind, this type, did not exist. Le surréalisme a fait évoluer la littérature, mais ce que j'avais là dépassait le surréalisme. Surrealism made literature evolve, but what I had was over it. L'ennemi peut te barrer la route. The enemy can block your way. En t'imposant une activité inutile. By giving you an useless. Des compagnons inutiles. Inutile. Useless friendships. Des idées comme celles que j'avais, des idées.
I had ideas. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you with me? Et j'ai dit à Dieu, ne permets pas que un païen ait cette idée-là. And I told God, never allow that a pagan have this idea. And I asked him, remove it. And he did. Et je suis sûr qu'il m'a exaucé. And I'm sure he has answered me. Quelqu'un a écrit sur le monde à l'envers. Someone wrote on the world upside down. Ce que j'avais là dépasse le monde à l'envers même trois fois. What I had is mais beyond un piège. This book three times, but it was a trick. C'est pour ça que j'ai dit au frère André, donne-nous un traité évangélique. This is why I told brother André, give us an evangelic tract. Parce que j'ai discerné qu'il était dans le même piège. J'ai demandé au frère André, le frère André c'est un grand évangéliste. Brother André is a big evangelist. But I remarked that he was in the same trick. Et c'est un couvrier. And he's a co-worker. Il corrige tout ce que j'écris. He just corrects everything I write. Je lui ai dit, donne-nous un livre d'évangélisation. I told him, give us a book for evangelization. C'est un linguiste. Donc, le gars passe le temps à faire des recherches sur les langues. Il a déjà des découvertes comme ça. He is a linguist, so he spent time making research on languages. So he has so many research. Il sait que tel mot, telle racine existe dans tel autre langue. He knows that this root exists in this language. And so on. Mais le petit traité d'évangélisation ne sort pas. But the small tract for the gospel is not coming out. Il faut qu'il renverse ça. He must overthrow it. Il écrit, c'est déjà. Si je lui donne la parole, là, vous allez entendre. If I give him the floor, là, il est you heureux. Will see. Sois délivré au nom de Jésus. Be delivered in the name of Jesus. Le livre du frère André, je peux le vendre maintenant. Je peux dire qu'il va coûter 2000. Donnez-moi l'argent. Les frères vont donner. Il va pleurer. I can sell the book of brother André here. I can say to brother, give me 2000 for it. And he will just cry. Quand il va voir comment les frères me donnent l'argent pour un livre qui n'existe pas encore, il our brothers are giving money for a book pleurer, which is not existing yet, he will cry. Donc tiens-toi debout, frère. So please stand up, brother. Rassure-toi. And ensure que that ce ne sont pas les mots. That it is not words. Rassure-toi que tu vas casser la barrière. Ensure that you will break the barrier. Et tu vas avancer. And you will move forward. Les bénédictions sont proportionnelles à la marche. Blessings la progression. La croissance. And the growth. Si l'ennemi te bloque, les enfants d'Israël ont fait 40 jours sur place. Goliath venait les engueuler chaque jour et il ne bougeait pas. Et il allait se coucher. The children of Israel spent 40 days on the same place and every time they went and sleep. Goliath a dit à ses frères de rester tranquille, qu'il s'en va défier lui seul. And Goliath told his brother that remain calm. I will go alone and fight. David le dit, je vais couper ta tête. And David said, I will cut your head. Est-ce qu'il n'a pas coupé? Has he not cut it? Acclamons pour David. Let's clap for David. Toute force spirituelle, parce qu'il y a des obstacles qui sont des phénomènes organiques. Peut-être ton corps n'a pas toutes les capacités. Ça, c'est à part. On va résoudre ça. Mais il y a des obstacles, des ennemis, les démons. There are obstacles which are witches, enemies and demons. Les parents jaloux. Jealous parents. Qui décident que celui-ci ne sera rien. Who decide that this one will become nothing. Et il barre la route. And they block the way. Il pratique un petit truc là, il jette quelque part. They take one of your belongings and throw it somewhere. Et il compte sur ça. And they count on it. Et il est sans miséricorde. And they are merciless. Et il te rend visite chaque jour pour vérifier si ça marche. And he will visit you every day to check that it's working. Ou bien téléphone. Or he calls you. Ça va là-bas, ça va. Is it okay there? Are you okay?
Un jour, nos enfants sont tombés malades. Our children fall sick. Le même mal. The same sickness. Je vous ai dit qu'il y a un groupe de sorciers qui était venu dans l'église. Le Seigneur m'a dit, ne les intègre pas dans l'église. Implante une assemblée, tu nommes un dirigeant vaillant. I told you that there is a group of which we came in the church. The Lord told me, don't integrate them in the church. Create an assembly and appoint a mighty on them. Quand ils ont vu que c'était dur, ils sont when tous partis. When they saw that it was hard, they just left. Et il y avait un professeur d'université qui a dit au frère qu'il y aura la CMCI sera secouée. And there was a university teacher who told the brother that CM5 will be shaken. Donc quand les enfants sont tombés malades, so when the children fall sick, je suis arrivé à la maison un jour. I arrive at home one day. Je reçois un coup de fil. I have a phone call. La dernière à tomber malade c'était Daniel. The last to fall sick was Daniel. And Daniel. Une d'entre elles me demande, ça va, Danny va bien. Je dis oui. An aunt called me, are you okay? Is Danny well? Ça va. Are you sure? Ça va très bien. I say we are very well. Danny. Ça, je dis ça va. Il dit tu es. Is she well? Tu es fort. Tu es puissant. She said you are great. You are powerful. Tu es fort. You are great. Tu es puissant. You are powerful. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils voulaient faire. It means that they know what they wanted to do. Gracielle était déjà fatiguée. Gracielle was already tired. Et je suis entré dans la chambre. And I entered the bedroom. Je l'ai touchée. Attached her. Elle a sursauté. She just. Elle a dit, papa, j'ai faim. She said, Father, I am hungry. Hallelujah. Amen. Elle avait déjà fait plusieurs jours sans manger. She had spent many days without eating. Parce que naturellement, elle est courageuse, elle ne pleure pas. Because naturally she's courageous, she never cry. J'ai senti qu'un esprit était parti. I just feel that a parce spirit qu'elle a sursauté et elle s'est assise because sur le lit. She jumped and she sat down. Elle dit, papa, j'ai faim. She said, Dad, I'm hungry. C'est après ça qu'elle a composé Satan sous nos pieds. It's after that she had the song Satan under our feet. Les obstacles viennent de partout. Obstacles come from everywhere. Et puis tous les enfants sont guéris. And all the children were healed. Hallelujah. Amen. Et tous ceux-là sont partis. C'est le pasteur Babatunde qui était le dirigeant. It was Pastor Babatunde who was the leader. Première rencontre. Une est venue me dire que non, nous on voulait que ce soit toi-même. We wanted you to be our leader. Je lui dis que non, c'est comme ça que nous fonctionnons. I said no, it's like c'est that votre we dirigeant. Work. We work like that. This is donc, your leader. Le plan avait échoué. The plan had failed. La formation des disciples là, c'est une puissance. The making of disciples is a power. Lève ta main. Put up your hand. Détruis. Destroy. Parole, any word, toute œuvre humaine, any human work, toute initiative satanique, or any satanic initiative, qui te barre la voie, which block your way, qui te prive de quelque chose que Dieu t'a donné, which deprives you from something that God has given you. Et quand nos cris vont monter, and when our shout will go up, le Seigneur va libérer des légions. The Lord will liberate pour frapper armies to partout beat où se trouve l'orgueil. Everywhere we can find pride et la résistance. And resistance. Nous ne nous sommes pas choisis nous-mêmes. We have not chosen ourselves. C'est Jésus qui nous a élus. It is Jesus who elected us. Et il n'a pas élu les anges, c'est nous. And it is us. Avec toutes nos faiblesses. With all our brothers mais and sang, our families. Son sang est sur toi. His blood is on you. Et tu agis en son nom. And you walk on his behalf. Ce n'est pas le moment de penser que tu n'es pas prêt. It is not time to believe that you are not ready. Quand Jésus a dit que tout est accompli. When the Lord said everything has been completed. Il avait ouvert le ciel pour chacun de nous. He had opened heaven for each of us. Prions ensemble. Let's pray together. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous jugeons. We judge.
Et nous détruisons. And we destroy. Toute parole. Any word. Toute pratique magique. Any work. Toute pratique occulte. Any occult work. Tout rassemblement humain. Any human meeting. Tout rassemblement des démons. Any meetings of demons. Tout rassemblement des esprits des morts. Any meeting or spirit of death. Toute puissance des ténèbres. Any power of darkness. Qui s'est tenu sur notre croissance. Who has stood up on our growth. Qui s'est élevé au-dessus de nous. Who has lifted up. On pour you pour nous empêcher de connaître Dieu. To prevent us from knowing God. Pour nous empêcher de recevoir des révélations de Dieu. To prevent us from receiving revelation from God. Pour nous empêcher de progresser vers l'avant. To prevent us to move forward. Pour détruire l'amour fraternel. To destroy brotherhood. Pour détruire l'amour de la parole de Dieu. To destroy the love. Of the word of God. Pour détruire l'amour et la pratique de la prière. To destroy love and the practice of prayer. Pour détruire l'amour et la pratique du témoignage. To destroy love and the practice of testimonies. Pour bloquer la croissance spirituelle. To block the spiritual growth. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tout soit détruit. We destroy brûlé, everything. Détruit. We ruin and destroy. Au nom de Jésus. In the name of au Jesus. Nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous écrasons. We crash down. Nous renversons ce qu'il faut renverser. We overthrow everything. Nous déracinons ce qu'il faut déraciner. We uproot everything. Comment continuer à prier? Keep on praying. Que toute fille bloquée son milieu. Je proclame qu'il est écrit. That is written. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Your God command that you become ton powerful. Dieu ordonne que tu sois puissant. Your God command that you tu vas proclamer, tu dis, je proclame que je peux lire la Bible, je veux prier, say, I proclaim, je veux jeûner. I can fast. Dis, je veux rendre témoignage. I will give je veux prier. Je veux lire la Bible. I will read the Bible. Je veux jeûner. I will fast. Je veux donner. Tu dis, je veux donner et je peux donner. Say, I want to give and I can give. Je veux lire la Bible et je peux lire la Bible. I want to read the Bible and I want to read the Bible. Proclame comme ça dans tous les domaines où il y a la lourdeur. Proclaim that in every field. Kala masanga bakala masanga bakala masanga kala masanga bakala masanga bakala guru bakala 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 guru bakala bakala je proclame que je peux lire la Bible. Je proclame. Si tu es là pour la première fois, if you are here for the first time, pendant qu'on prie, tu dis à Jésus, je veux te servir. While we are praying, you tell Jesus, I will serve you. Tu te donnes maintenant. You give yourself now. Si tu es dans un péché, if you are in a sin, tu décides maintenant. You decide right now. Que c'est fini avec ce péché. That is over with this sin. Il y en a qui sont encore liés par la masturbation. There are some who are still linked tight by masturbation. Un frère avait écrit une lettre à la sœur Colette. A sister wrote a brother wrote a letter to sister Colette. Ça devait être en 92. It should be in 92. Il a dit,
He said, mon problème, my problem, c'est que je me masturbe toujours. Is that I still masturbate myself, même comme je suis marié. Even when I am married. Ça, c'est une lettre qui m'a beaucoup touché. This is a letter which moved me a lot. Un cri de misère. It's a cry of misery. Parce qu'il y a des gens, because there are people, quand ils sont liés par un péché, when they are tied by a sin, au lieu de crier pour la délivrance, instead of crying for deliverance, ils cherchaient les palliatifs. Ils bricolent les solutions. They are looking for solutions. Ils bricolent. Or they are managing the solutions. Et ils ne sont pas délivrés. And they are not delivered. Peut-être qu'ils se disaient, il faut que je me marie vite pour être délivré. Maybe un masturbateur ne peut pas être délivré par le mariage. Maybe he told himself, I should get married quickly so that I will be delivered. But masturbation is not healed through marriage. Donc au niveau où nous sommes arrivés, so at the level we are, il faut être sincère devant you Dieu. You must be sincere before God. Si tu as le tabac dans ta poche, ta cigarette, if you have a fag in your pocket, tu enlèves ça, tu jettes, tu écrases. You remove it. Tu n'as même pas besoin de nous montrer. You throw it and you tu écrases ça maintenant. You crush it now. Si tu as un objet magique, if you have a magic thing, tu viens déposer ça ici. You come and put it here. Pendant qu'on continue. While we are going on. Et si tu vis dans un péché, que tu es un enfant de Dieu qui est piégé. If you are a child of God who is just blocked in a sin. Dis seulement à Jésus, j'arrête. Just tell Jesus, et I stop. Sois sincère. And be sincere. La puissance va entrer en toi. The power will come in you. Et tu ne reviendras plus jamais dessus. You will not come back to it anymore. Lève ta main. Put up your hands. Parle à ton père. Speak to your father. Dis au Seigneur que c'est fini, c'est fini, c'est Lord, fini. I stop. Asseyons-nous. Please sit down. Continue à te donner keep et à te détourner du mal. And to get far from sin. Si Dieu est glorifié, if God is glorified, il va entrer dans la bataille. He will enter into the warfare. Et les choses vont changer. And things will change. Enlève tout obstacle. Remove any obstacle. Dieu dit qu'il y avait les obstacles qui sont extérieurs à nous. It is said that there are obstacles which are outside us. On les a déjà détruits. We have already destroyed them. Il y a ceux qui dépendent de toi-même. There are the ones which depends on you. Et toi, démon, si tu veux partir, tu pars vite. And you, demon, if you want to go, you go quickly. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? If God is with us, who will be against us? Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que toute forme de prison soit détruite. We destroy any kind of prison. Que les captifs soient libérés. And captive delivered. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous cassons toutes les prisons. We break all the prisons. Nous libérons les âmes tenues captives. We liberate the souls of the captives. Nous cassons tout. We break all. Nous brisons tout. We break all. Kabaka sharga. Nous brisons les prisons. We break the prisons. Nous libérons la marche et la croissance. We free the walk and the growth. Nous libérons le progrès.
We free the progress. Nous libérons l'accomplissement des desseins de Dieu. We free the completion of God's purposes. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous brisons le pouvoir de la maladie. We break the power of sickness. Qui freine la marche. Which des maladies, nous brisons ton pouvoir. Sickness, we break your power. Nous libérons tous les corps tenus captifs we par la maladie. We free all the body which are captives of you. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toute œuvre humaine. All human works. Est brisée. Is broken. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Ruinée totalement. Totally ruined. Et les captifs libérés. And captives freed. Tu gardes le calme. Stay calm. Si le Saint te révèle une idole, tu l'enlèves. If the Lord reveals you an idol, you remove it. Tu dis d'abord merci Seigneur, je viens de voir, tu enlèves. You first say thank you Lord, I've just seen. And you remove it. Pendant ce temps, le Seigneur travaille. During this time, the Lord is at work. Le Seigneur peut te visiter, enlever le mal. The Lord can visit you and remove the sickness. Il peut arracher toutes les boules. He can remove a bull. Il peut vider tout le mauvais sang maintenant. He can empty all the bad blood now. Et te remplir d'un sang neuf. And he fills you with a new blood. Il faut croire. You must believe. Qu'il a dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. He has said that where two or three are in my name, I am among them. Et quand il est là, qu'est-ce qu'il fait? And when he's there, what does he do? Il donne la vie. He gives life. Il restaure. He restores. Il pardonne. He forgives. Il bénit. He blesses. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que tous les captifs des esprits des eaux. All the spirit of waters. Soient libérés au nom de Jésus-Christ. We free all of them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tu commences à dire merci au Seigneur. You start saying thank you to the Lord. Tu lui demandes la capacité de planifier ta vie spirituelle maintenant. You ask him the ability to plan your spiritual life now. Tu oublies tes objectifs, tu planifies les 6 derniers mois. You forget about your objectives. You plan the 6 last month. Tu augmentes même certaines choses. You increase even some things. D'ici la fin de l'année. From the end of the year. Quand le Seigneur visite un peuple. When the Lord visits a people. Il faut profiter. You must take advantage. Il faut refaire tout. You must renew everything. Sur de nouvelles bases de la foi. On new basis of your faith. Même si tu viens de croire. Even if you have just believed. Il faut te renseigner. Qu'est-ce qu'on fait? Take information to know what we do. Et tu commences à faire. And you start doing. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Alléluia. Amen. Demain. Tomorrow. Il faut prendre et tu te mets à genoux. You kneel down. Tu dis à Dieu. You tell God. Guéris-nous. Heal us. Demain, nous allons crier à Dieu. Tomorrow, we'll cry to God. Que même si on dit que quelqu'un pourrit déjà. That even it is said that someone is already rotten. Qu'il guérisse. He should be healed. Pendant ta méditation, tu cries à Dieu, guéris-nous, guéris-nous. During your meditation, you cry to God, heal us, heal us. Et tu viens. And you come. Avec une foi ferme. With a strong faith. Déjà, certains seront même guéris dans la nuit. Some will get the healing in the night. Tu révises ta liste de 10 choses. You revise your list of 10 things.
Demain, on demande à Dieu d'exaucer. Tomorrow, we'll ask God to answer. Et on lui demande de guérir. And we'll ask him to heal. S'il y a un adversaire sur le chemin de ta guérison, il va tomber. If there is an adversary on the way of your healing, he will fall down. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you.